Salut là-dedans. Ça va et toi? Je pense que si je me rappelle bien de ce que m'a dit Astarian, je peux recommencer le chapitre 1. Ça me fait chier parce que je vais me retaper toute la fin. Mais d'un autre côté, je peux aller voir c'est quoi l'histoire du chevalier en 2-2. Chevalier, il m'a dit quoi déjà? Enfin, du chevalier, j'en sais rien. Personne qui est en tôle. Je vais faire un petit détour, au pire, je relancerai. T'es pas encore rentré chez toi? Ah merde, fais gaffe! J'espère que tu roules pas, Splash. Oh merde, ça m'a relancé toute l'histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh bah zut, je pensais que ça représentait la dernière sauvegarde. Ok. Deux, trois non plus, ok. Bon, en tout cas, j'ai beaucoup de primogèmes sur Genshin si tu parles de ça. Je suis bientôt à 15 000. Je suis à 15 000 primogèmes en fait. J'ai seulement économisé pour gagner, ouais, sachant que je suis à 62 pity. Hey, salut Astarian. Enfin, Mastarian, j'essaie de relancer la sauvegarde du chapitre 1, mais ça m'a lancé une cinématique. Oh, mais ça, c'est le cœur qu'on a vu à la fin du chapitre 1, ça. C'est avant le boss final. Lui, il me demandait quoi déjà pour le libérer? Oh, oh, oh. Si seul, blablabla. Trois visiteurs sont devant. Qui sont-ils? Enchanté de vous rencontrer, je suis Ralsei, et Cliss et... Qu'est-ce que vous foutez de là? Non. Ah merde, ça m'a refait tout le truc. Je suis innocent, innocent, je voulais juste jouer un jeu, Mais... Les rangs ennuyeux, blablabla. Je gênais en gros. Et pour me punir, ils ont emprisonné mon corps. Je suis rapide, rapide, intelligent, intelligent. Ils ont perdu la chasse, la poursuite. Et ils ont enfermé toute leur race. Ils ont fait une prison tout autour du monde. Je suis le seul qui suis réellement libre. Quoi, ouais, libre? Mais c'est toi qui es derrière les barreaux. Ce n'est pas l'impression que j'ai de mon côté, héros de la lumière. Et ben, dans ce cas, tu n'as pas besoin d'aide, ok. Comment je te libère? Trouve la clé. Ok, ah oui, c'est vrai, il y avait quelqu'un qui le savait. The old shopkeeper knows the secret. On va essayer de repartir là où il y avait le chat, en espérant que c'est lui le old le vendeur. Les yeux en prison? C'est pas bête du tout ça.
Pour moi, ça doit être lui, mais après, peut-être je me trompe. Ah bah tiens, si, c'est bien lui. Prisonnier étrange. Eh, de quoi tu parles? Un prisonnier? Avec une façon de parler étrange? Non, tu ne peux pas parler de lui. Je vois. Après tous les troubles qu'il a causés, on a dû l'enfermer et voulait le libérer. Maintenant que vous le mentionnez... Ce pourrait être... Ok, ça serait mauvais de le laisser tout seul. Peut-être c'est mieux si vous les héros, vous le gérez maintenant. Après tout, c'est pas comme si tout ce qui se passait ou le matter incident aura une incidence sur la fin. Peut-être qu'un peu de chaos, c'est peut-être sympa. Ok, Degvis, Broken Key 1. Ah bah j'imagine qu'il faut une autre pièce. Ok, et comment je les ai? Alors, marcher là où les étoiles ne brillent pas. D'accord, et si on réussit, on revient te voir. Ah oui, les étoiles ne brillent pas. Ça fait deux indices? Attends, moi j'en ai vu qu'un. C'est celui là où les étoiles ne brillent pas. J'essaie de retrouver Mama Mima, le cuistot, pour lui rendre le... J'allais dire le couscous, pour lui rendre le gâteau. Dans ce cas-là, lésion prison, c'est sûr. Mais là où les étoiles ne brillent pas. Oh, je peux pas croire que mes coéquipiers Bozo voulaient se battre contre vous. Comme Bozo le clown, j'imagine. Margariba, ce cake! C'est mon gâteau, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'avez réparé? Est-ce que vous voulez me le rendre? Bah oui, bien sûr, frérot. Mon ancien gâteau! Super, je peux tourner sur moi-même, mon ami! Partage in my reach, je sais pas ce que ça signifie. Ok, il va me donner les gâteaux dont il ne veut pas garder. Ah ouais, il m'en donne un. Spin cake. Ok, il va continuer à tourner et pleurer. Attends, là où les étoiles ne brillent pas, ce serait pas au tout début du jeu? Non, attends, attends, tu sais quoi, on va déjà aller en tôle. On va aller voir l'œil, ce sera un indice. Il y a un endroit où je compte aller, c'est... C'était tout au nord, en gros, c'est, ça disait si vous êtes déjà allé au château, vous allez réussir le truc. Il y a un chemin que j'avais vu et que j'avais pas débloqué, je me souviens. Il y avait un endroit où je... Attends, là où les étoiles ne brillent pas, c'est pas où j'avais rencontré un monstre ténébreux, non?
Aller voir les yeux. Ah, dis-toi, la paire de yeux dont je parlais l'autre jour, c'était. Elle avait vraiment son importance quand même. Ouais, même j'ai été. Même moi j'ai été arrêté. Je suis une paire d'œil. Ah non, aucune réaction. Merde. Ok. Il y a un seul endroit où je compte aller pour le moment parce que j'ai pas d'idée. C'est là où je n'étais pas passé. Quelques petites cages splash. J'ai fait demi-tour dans un truc, vas-y, le temps que t'écris. Il y avait une petite cage. Les petites cages à droite, genre? Ah, c'est vrai qu'il y a des yeux dans les cages à droite. Peut-être, si c'est ça dont tu parles, je sais pas. Je sens que tu vas écrire un truc et je vais refaire demi-tour. À côté des yeux, il y a une petite cellule vide. Ah ouais? Bien vu. Je vais y aller direct. Ok. Ça dont tu parles, la cellule à Suzy, genre? Ah ça? Non, je peux pas interagir. Ok, je vais passer vite fait dans la cellule et ensuite là où je voulais aller. Il y a. Qu'est-ce qui pourrait être derrière? Oh tiens! Ah non, j'ai cru qu'il allait pouvoir le péter ou une connerie. Je vais aller là où je suis jamais allé. Mais je pense que je vais juste avoir un trésor là-bas. On va rater. Non, c'est vrai, Splash, au moins il y a sa test. Hein. Vas-y Astarian, tant que ça reste genre flou, tu vois. Faut que je reparte là où il y avait les dés là. Enfin, là où il y avait un endroit, je fuyais des pions sur un damier. Faut que je retrouve cet endroit et que j'aille. Je sais où aller si je suis là-bas en gros. Ah, c'est peut-être la forêt. J'arrive à tomber dans le même piège à chaque fois. Oh bah Starline, il doit réfléchir à un indice, mais pas trop. Voilà, il faut que je sois de l'autre côté de cette carte et j'aille au nord.
Déjà chapeau, hein. T'as réussi à faire un indice compliqué. Feuille! D'accord, je vais réfléchir. Je sais pas esquiver les ennemis, c'est un truc de dingue. Mes alliés sont venus pour vous voir. Feuille! Là, je suis en train de réfléchir, mais. Est-ce que c'est une feuille? Est-ce que j'ai trouvé un personnage qui ressemble à une feuille? En tout cas, merci. C'est ça l'avantage d'être fou. C'était ici, je crois. Tiens, c'est un. Oh, c'est un mob? Bien sûr que je serai ton ami. Ah mince. Pas dire la même phrase maintenant, Suzy. Bon, bah, ça me fera plein de Dark Dollar. Et je crois que c'était ici. Ici, je n'étais pas venu, et en gros, ça avait dit. From the bottom, l'ordre de nos rooms dans le château. Oh non, j'aurais dû le retenir. Merde! Oh là là, j'ai complètement oublié, il faut que je reparte au château pour savoir donc. Je pense que ça c'est peut-être une clé, mais je suis pas sûr. Peut-être c'est juste une récompense. Oh, ça va être compliqué de trouver au pif. Ah, les boules. Parfait, ça se trouve, ça serait un objet que j'ai sur moi. De lire le manuel, mais ça fait trop. Ok, trop de lecture pour le héros. Je suis mitigé là.
Ah, je suis bête, mais pourquoi je repars au château? Désolé. Je me retrouve à refaire les mêmes trucs. Je repars au château, pourquoi? Pour savoir l'ordre des trucs et ouvrir un coffre. Un coffre qui n'est peut-être pas la réponse à ce que je cherche, je sais pas du tout. Il y a feuille. Feuille, ça me dit rien du tout pour le moment. Je dois trouver un endroit où il n'y a rien qui brille. C'est peut-être là où j'ai battu un monstre dans les ténèbres, là. Enfin, il fallait que je sais plus. Oh non, non, non. Ça recommence! Sim, c'était le chat. Est-ce que tu peux juste me confirmer ou m'infirmer un truc, Asta? Là, par exemple, je repars au château pour trouver l'ordre et accéder au coffre qui est au nord. Qui est au nord, tu sais, avant que tu sois sur l'échiquier, le passage que je viens de faire. Est-ce que tu peux juste me dire si dans ce coffre il y a bel et bien une clé ou pas du tout? Donc que je retienne l'ordre. Ok, ça vaut le coup, c'est une belle réponse. Ok, losange. Losange, ça en fait un. Losange, faut pas que j'oublie. Losange, pique. Non, c'est pas la même salle, ça. Ok, losange, cœur. Désolé, madame. On va flirter avec tout ce beau monde. Oh mon dieu, Chris, je ne peux pas le faire, fais-le toi-même. Vous avez dit quelques phrases douces. Les ennemis sont profondément amoureux. Ok, je pense que le coffre du nord, ça doit être un bon truc. Oh, hello Andrew Osha. C'est quoi déjà, losange cœur? Losange cœur trèfle, losange cœur trèfle. Losange cœur trèfle, pique, losange cœur trèfle, pique. Losange cœur trèfle, pique. Losange cœur trèfle, pique. Losange, cœur, trèfle, pique.
Comme dans tous les cas, qu'est-ce qu'il veut dire? Los anges cœur trèfle pique. What do you mean, André Rocha? Peut-être lui dire comment ça va? C'est vrai? Y a un TP pour y aller? Attends, je... Quoi? Depuis tout à l'heure, je me prends la tête pour rien, là? Chat. La porte TP au château, au champ, où tu veux dans les zones. Mais là, c'est pas la forêt où je suis. Je prendrai un autre TP alors. Là, je suis au champ. D'accord. Donc, en fait, je me suis pris la tête pour rien. Mince, j'ai oublié. Oh non! Non, pique, c'était en dernier. Losange. Je dois faire à l'envers, donc je dois faire... Comme ça, losange, j'inverse. Trèfle. Et pique, d'accord, je me suis gouré. Voilà, on fait. Losange. Carreau, trèfle. Merci beaucoup, Asta. Alors comment je fais pour avoir le bon ordre? Ah, j'aurais dû modifier après, je viens de comprendre mon erreur. Oh, splashouille! Là, je suis en train de faire n'importe quoi. Faut que j'arrive à faire le bon ordre. Carreau, c'est ça. Problème, parce que tu vas devenir un cœur. Faire comme ça. Ensuite, il faut que je mette tour 1. Ce qui fait qu'ensuite, je fais ça. Et ça. Yeah! Super. Il manque plus que la Broken Key Bee. Et je pense que je vais aller. Et déjà, je vais trouver la bonne porte. Ah ouais, d'accord. Je me prenais vraiment la tête pour rien. On va partir dans la forêt. J'essaie de retrouver l'endroit où j'affrontais une créature en gros. Enfin, j'ai dû utiliser les ténèbres. Je sais plus, il y avait un endroit où j'ai vu une créature et je vais essayer d'aller là-bas.
Quoique, non, je sais. Splash, est-ce que tu te souviens? Splash, il y avait un coffre que j'avais vu quelque part, mais que je pouvais pas ouvrir. J'ai déjà commencé à m'inquiéter, vous avez disparu, est-ce qu'il s'est passé? Oh, non, do not worry, Andrew O'Shea. I'm fine. I just took a weekend to relax. Non, je me souviens, il y avait un endroit que je pouvais pas accéder. Il y a plein de gens qui dansent. Ouais, c'est par là. Il y avait un endroit, si, il y avait un endroit, je me rappelle, il y avait un coffre, je le voyais, mais je peux pas y accéder. À mon avis, ça devait être le coffre que j'ai vu. J'arrive même plus à parler. La faille de la prison? L'arrière de la cellule, tu veux dire? Il faut que je retrouve un endroit où il y a plein de danseurs fous là. Oh non, j'ai déconné. Plus à chaque fois je les foire. Tiens, c'est nouveau ça. Mur à Zelda. Ouais, je sais pas, j'ai parlé. J'ai juste écrit le calendrier des émissions, il n'y en avait pas, alors je commence à penser à ce qui se passait. Non, Jorosha, I'm fine, don't worry. Ok, ça les a fatigués. C'est Tetris? Ouh, ça fait mal! Oui, il est russe, Astarian. Il utilise Google Trad pour parler avec nous et tout. Oups, c'est moi, ok, je me suis foiré. Ah! Mon arrière-train, c'est mon visage. Là, je vais avoir un KO, je crois. Il y avait un endroit avec des danseurs fous. C'est quoi la chenille? Ah oui, je me souviens, il parlait vite fait. Tiens, un coffre que j'ai pas ouvert. Ah bah, je crois que c'est ce coffre-là. C'était pour ça! Je savais même pas qu'il y avait un chemin comme ça, là où le soleil ne brille jamais. Putain, je suis trop idiot, ça se voyait sur le... Oh. C'est ça l'autre clé? Ah non, 40 Dark Dollars. Oh, le faux espoir. Ok, c'est bien. Ok. Non, non, mais c'est bien, il faut que je retrouve l'endroit où il y a les danseurs fous qui m'agressent, là. Ah bah tiens. C'est ce coffre là. Hey, salut Sora, how are you? Désolé, pardon Sora, c'est l'habitude, comment vas-tu? Comment j'accède à ce coffre? À mon avis, c'est ce coffre. Et ça colle. Oh non, la pauvre petite Sora.
Ça va, tranquille. Fais du Deltarune. Cherche à avoir un coffre pour libérer un démon emprisonné dans une prison. Comment je vais accéder à ce coffre? Est-ce que c'est par une autre map, peut-être? Ouais, il a dit là où ça ne brille jamais. Attends, c'était quoi l'indice exactement? C'était là où ça brille jamais? Là, je suis à un endroit qui ne brille pas et je peux pas, non. Je suis en train de regarder s'il n'y a pas une extrémité où je peux me déplacer vers le coffre. Ok, les étoiles, elles brillent que quand je suis avec les danseurs. Oh, GG Sora, à la fin, elle était bien alors? Ah, pas bête, une zone avec des danseurs sans étoiles. Ah ouais, il était génial. Wow! J'avais pas le temps de traduire. J'aime bien parce qu'il a dit ça en traduisant. En tout cas, c'est des danseurs étoiles. Ah bah là, clairement. Si c'est pas le coffre qu'il me faut, ouais, c'est par Toby Fox. Yes! Bon, bah, on repart voir le chat. On répare la clé. Et on va voir ce qui va se passer. Hein, même si je crains les emmerdes. Danseur étoile. J'aurais peut-être dû me soigner moi. Ah! T'as dû rallumer le chauffage? Oh, t'inquiète, moi aussi. Bah, octobre, c'est un mois de décembre. Je vais un peu me soigner là parce que. Ah oui, oh là là. Oh non, je viens de les manger à l'instant. Je crois que c'était ceux du carnaval. On va en racheter. C'est rare, parce que moi, ok, j'ai pas fait gaffe.
Bon, ça pue les emmerdes. J'ai oublié où est le chat. J'ai oublié où est la porte. Ah non, ça va être mieux comme ça. Le chat, il était à la forêt ou au field? Non, je crois que je dois aller voir le mec qui réparait tout. Je crois qu'il était au carnaval lui aussi. Enfin, j'ai le carnaval, mais tu sais, ils vendent des gâteaux seulement. Bravo Splash. D'accord, la clé est réparée. Attention, ça a chié des bulles. Parce que... Ok, je sens que je vais avoir un combat. Où est-ce que je vais peut-être libérer le Gus? Ça va bien se passer. Non, ils ont mis un... Ça doit être... Peut-être. Attention, ça pue le boss. J'hésite encore à le libérer quand même, parce que ça peut changer l'histoire. La clé, la clé. Marvelous fan is about to break free. Oh. Un rigolo va s'évader. Ah ouais? Elles en prenaient des selfies. Tiens, et si je fais do not? Non, vas-y, on va faire use. Alors, la clé, rien porte. J'aurais pas dû rentrer. Hé! Hey, on est où là? Hé hé, visiteur, visiteur, maintenant on peut jouer, jouer. Ça n'a jamais été un risque délibéré tout à l'heure. Ouais, clairement. Hey, when after you, I can play. Hey, après vous, je vais pouvoir jouer avec tout le monde. Il va vouloir tuer tout le monde ou juste jouer? Alors à quoi on va jouer exactement? Ça pue la merde là. Mais, Sinbad! Ouais, avec la tête qu'il a, moi. La tête qu'il a, je serais ressorti, j'aurais refermé. Okay. C'est juste un jeu. Ok. Un jeu avec des numéros. C'est un clown. Oh putain. Quand tes HP arrivent à zéro, tu perds. Oh merde, c'est un combat. Il veut nous tuer en fait. Ah, je suis pacifiste, mais j'avoue, je me tiens bien le tuer. Les clowns sont méchants, tu vois. Ah bah là, t'as raison, ça. Regarde-moi cette tête du diable. Que le combat commence. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que j'ai foutu? On va se rire du diable là. Oh, hypnosis? D'accord, déjà on peut ne pas le tuer. Check. Y a pas de stratégie pour vaincre l'ennemi. Bonne chance. Quoi? Ah, il parle! KO, KO, attrape-moi si tu peux. Il fait mal. Je vais mourir. J'ai du mal à tout éviter. Pirouette? Random Chaos. C'est quoi ça, Random Chaos? Hypnosis, il me faudra plus de TP. Ah ouais, un perso à la voix de Klee? Ah, je vais mourir. En bien, je veux dire, mais... Ok, j'ai assez de TP, j'espère. Merde, il a toute sa vie, pourquoi? Yo. Ok, j'ai perdu quelqu'un. Je vais perdre. Et c'est une petite en plus? Ah ouais? Ouais, mais il est pas fatigué. Ah, je suis carrément négatif, ça veut tout dire, quoi. Ah ouais, non, c'est vrai le boss. En plus, j'ai qu'un seul truc pour ressusciter, j'aurais dû en acheter. Mon cœur va vers... Je sais pas, il nous a traité de pêche. Wow, mais c'est téléguidé, cette merde. Wow, ça fait des dégâts de masse. Ok, on va essayer de l'hypnotiser, je sais pas ce que ça fout. Ah, ça le fatigue. Mon cœur va vers tous les pêcheurs. Ils ont chanté un truc. Sa prochaine attaque est affaiblie. Il est devenu fatigué. Devil's Knife, ok. Le couteau du diable. Oh putain, j'ai perdu le sait et j'ai rien pour ressusciter. Ah non, il récupère de la vie petit à petit, on dirait. Le problème, c'est que je peux pas l'hypnoser sans le sait, donc je crois que j'ai perdu. On va voir, parce qu'il a moins 26, peut-être il récupère plus. Mais sinon je vais devoir reprendre ma sauvegarde, je pense. Non, je prends... Wow, je prends trop cher. Ouais, il se régène un peu, mais je vais pas en tirer. C'est moi qui évite pas assez bien, malheureusement. Game over. Tiens, ça fait quoi un game over dans le jeu? Le cœur se casse. Oh. Oui. Est-ce que c'est une implication si je ressuscite? Ça se trouve, j'ai cassé mon truc, moi. Ok, déjà, on va se barrer. Je crois que j'ai un personnage qui vend des trucs qui ressuscitent les morts. Donc je vais aller le rendre visible. Et en fait, il faut que je le fatigue. Mais... Finale du... On a clairement fait... Et en plus, je galère parce que je suis... Je vais le taper là. Acheter. 50. C'est quoi? Attends, ils vont pas de trucs? Merde. Je dois repartir voir Sim alors, peut-être? Ah non, ils vont...
En gros, il a été enfermé par les rois parce qu'il a pété les plombs. Ils l'ont trouvé. Un truc qui ressuscite. Écoute, je vais essayer de trouver un marchand qui me vend ce que je veux. Non, faut pas que je prenne ça, ça c'est 2 heures. Le pire, c'est que je veux dire, je l'avais fatigué, mais je l'avais pas battu, donc je suis mitigé. Ouais, il faut les 40 trucs là. Good night, Andrew Osha. Hope to see you again. Hey, Andrew Osha, you can watch the replay on YouTube. Qui ressuscite les morts. C'est niveau 3. Ça augmente ma magie. Ouais, mais j'ai pas de meilleur. Grave, personne ne veut résister les morts. Je voulais trouver un truc qui augmente ma défense en gros. Mais en gros, c'est. Il faut que j'arrive à charger les TP rapidement. Ça a dit que son. J'avoue, je sais pas trop. On va retester. J'en ai pas utilisé justement, j'ai pas eu de mort, mais j'en ai qu'une seule de Revive Mint. Donc je suis un peu dans la merde. Mais ok, au moins c'est réglé, je sais qu'il y en a. Je vais peut-être vendre ce que j'ai pour acheter des trucs. Je vais donner mes donuts là. Je vais acheter des trucs qui soignent bien, genre du 50 HP sûr. Et c'est moi, il faut juste que j'esquive mieux, mais ça va être compliqué. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Le manuel, je vais le garder parce que tu m'as dit qu'il faut. Voilà. Earth Donut, c'est trop aléatoire, malheureusement. Le Spin Cake, ça régène le groupe. Choc Diamond, je sais plus ce que. Dark Candy, ça fait 40. Ok, 76. J'aurais bien testé pour l'obtenir, mais malheureusement c'est un peu flou et je me vois mal vous promener partout quoi. Bon, le check vu que je l'ai déjà check avant, donc je vais faire économiser un tour au moins. Je vais me casser la tête à ne pas le tuer. Mais je me demande si. Genre, j'aurais été en run génocidaire, est-ce que ça aurait été plus simple à gérer? Je sais pas du tout. Parce que j'imagine qu'il va pas se fatiguer en 2-2 en plus, c'était trop.
Oh! Ah oui! Ok, ça m'évite le texte. Oh non, faut que je monte mes TP encore. Ouais, c'est pas pour rien. Mince. Bon, j'ai pris moins de tarifs quand même. Agir. Hypnose. Ok, il a affaibli sa prochaine attaque. The Ring Around. Ok, c'est quoi Ring Around? Oh putain. Yo. Non, je vais perdre Suzy. Ok, on peut pas hypnotiser. On peut pas hypnotiser. Par contre, toi, tu peux soigner mon pote. Et on va malheureusement utiliser ça pour se mettre bien. Ok, là, c'est les cœurs. Quand il dit ça, ça veut dire quoi? Ouais, c'est le truc. C'est Tetris. Non, les trucs. Oh merde, j'ai été trop bête. J'ai besoin d'avoir plus. Toi, tu vas soigner un coup Suzy, ça me fait perdre des TP. C'est peut-être mon erreur de me régène. Ah merde, ça c'est le truc, ouais non, ça c'est trop la merde. Oh, ça l'a OS en un coup. Enfin, en même temps, c'est le propre d'un truc qui OS quoi, mais... Ah merde. Ah ouais, sans ralcer, je peux pas faire le truc en plus. Pirouette, ça fait du random. Non, c'est random chaos. Pour aléatoire comme truc. Merde, ça m'a perdu la game parce que Ralsei est mort, il faut que j'attende qu'il se relève. C'est rien, je vais m'entraîner à éviter. Mince. Ça. J'arrive pas à rater le dernier à chaque fois. Ralsei va bientôt se relever, mais Suzy elle a pris tarif. TP max, et on peut rien faire. Oh, c'est trop gênant ça. Est-ce que j'utilise la menthe maintenant? Mais ça peut être une erreur parce que je pourrais jamais régénérer après. Vas-y, fais-le. Ah bah ok, au final je peux même pas jouer vu que je les reste. Et en plus il va peut-être remourir. Oh super, je l'ai ressuscité pour qu'il meure. Putain. Comment on va faire ça, vas-y, random. Ah, je tourne sur moi-même? Quoi? Ah, ça le fatigue quand je tourne sur moi-même? Ok. Everyone HP, God, Jump Run On. Ça a mélangé mes HP, mais ça a ressuscité Ralsei. Ok, je comprends que dalle. Ouais. Bon, il est KO, mais ça, on s'en fout. Toi, tu vas me servir à rien. Défends-toi. Par contre, toi, tu peux te soigner. Ouais, ça a intérêt. Bon, en tout cas, je vais faire à l'avenir la danse sur moi-même. Faire ce que je veux. Ok, ça c'est les cœurs de merde, ça. Non, merde, merde, merde. Hop. Bon, Chris, il est pas encore debout, mais ça avance. On va essayer de survivre, hein, mais bon, j'aurais dû garder la menthe. Au moins, si Chris il est vivant, je sais que je peux faire l'hypnose. Qui a des effets chelous. Ok, Chris il va bientôt revenir. Mais ça, j'y arrive pas. À chaque fois, je me prends le dernier. Ouais, ça y est, j'ai perdu. Je suis mort. Je me prends le dernier à chaque fois. Chris est vivant, mais maintenant c'est l'autre qui est mort. Faire une pirouette, hein, ça va faire du chaos aléatoire comme ils disent. Ses défenses ont baissé. Pipi, let's ride the carousel game, c'est quoi ça? Wow! Je déteste la foire du trône. Ok, j'ai perdu. What? Ton what, il résume bien. Vas-y, on va faire du. En fait, c'est du vrai pifomètre qu'on fait ça. Oh merde, la prochaine attaque va blesser rapidement. Ok, là je suis mort. Voilà.
plein de... Non, je te jure. Vous aimez bien ma petite danse? Oui, du tien, ça va pas demander le même choix. Je me demande si ça... Asta, Splash, ça peut avoir un impact si je meurs énormément dans le jeu ou un truc. Ah ouais, non, il est... On est d'accord qu'il est beaucoup plus fort que le boss du chapitre 1. Ok. Là, on commence cash. On peut pas faire d'hypnose. Tout le monde se protège. Je me demande si c'est pas lui le vrai méchant de l'histoire. Ok, non, on va pas faire la danseuse, on va faire l'hypnose. Parce que ça, ça le fatigue. Là, il est fatigué. Ring around, c'est ça. Ouais, alors celui-là, j'ai jamais compris. Oui, tu te fais attaquer par un génie en cible de main si tu meurs. Quoi? Attends, dans le jeu ou dans la réalité? J'aurais pas assez de points, mais... Pacifie... Mais il faut qu'il soit fatigué, j'imagine. Ok, quand il fait ça... C'est les bouquets chemin. Je vais prendre trop. Voilà, j'ai perdu Ralsei déjà. J'ai fait n'importe quoi. Il faut que je trouve une stat. Une strat, pardon. Là, je peux rien faire, donc on va faire des pirouettes qui vont faire des trucs aléatoires. On se défend avec Suzy, mais ça pue le game over. La danse a défendu la partie. Ça a augmenté mes défenses, ça veut dire? J'en ai chié là. Chris là dans ses étoiles. Ah mais clairement. Pomme derrière toi, il danse sur un ukulélé. Non tu. Toi il faut que tu soignes quelqu'un. C'est quoi ça? Un chocobo? Ok, ça a juste fait un oiseau et... C'est... Ah, c'est vraiment un... Oh non! Merde, j'ai perdu quelqu'un. Ça va être très chaud. Ralsei, il est pas encore debout. Autant faire du... Un bébé chocobo qui passait, quoi. Ouais, ça reste un peu suci. Bah bon, elle va quand même ça. Rejoignez le club, c'est quoi? Ah ouais, l'éclair. Non, quand il fait tout ça. C'est avec ça que j'ai eu le game over tout à l'heure. Attends, ça je suis censé les... Je suis censé la réussir, ça? Non, mais c'est moi aussi. Il s'appelle... Ah non, c'est violent, il s'est fait... Après, la présence du Joker renforce l'idée du jeu de cartes, quand j'y pense, parce qu'on avait pique, cœur et tout, et il fallait bien un putain de Joker de merde. Voilà. Ah, on peut pas faire des pirouettes comme ça, dommage. De base déjà je prends tarif. On va faire hypnosis. Merde, j'aurais dû rester dans mon coin moi aussi. Super, j'ai survécu. Youpi. On n'a pas assez pour faire l'hypnosis. Est-ce que je fais une danse? C'est quoi? Va, fais des danses. Pirouette. Cacahuète. Pacifie. Non, il est pas fatigué, donc je peux pas le pacifier.
Ok, ça va faire. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû le faire quand j'ai pas le choix. Non. C'est le truc avec toutes les attaques de merde. Non, mais ça. Il faut que je trouve une strat. Ouah, je suis déjà mort. C'est de pire en pire. Oui, je vais perdre. Le problème, c'est que je peux pas augmenter mes stats. Est-ce que j'ai pas raté une armure quelque part dans le jeu qui pourrait m'aider? Ouais, vas-y, dis-moi pour les piques en serpentin, parce que c'est moi qui me promène, qui me déplace mal sûrement, je pense. Pirouette, on va éviter. Hein. On va faire pirouette que quand c'est vraiment la merde. Au moment, on se défend et on se soigne. Ça, je pense j'avais trouvé un glitch, mais je suis pas sûr. Non. Ok, peut-être rester dans un coin. Pique en serpentin, mettez-vous en bas à gauche et à la droite et à gauche en fonction du sens dans lequel il les pique. C'est ce que je viens de faire là? D'accord. C'est les cœurs, on reste en hauteur, on reste un peu en bas. Je me souviens, Sora. Merci, t'inquiète. Ok, on va se défendre, on va se défendre, et Ralsei va soigner un coup sur lui-même. Ok, ça par contre je sais pas comment faire. Ça fait trop mal. Et à chaque fois il me tue Ralsei, bordel. Qu'est-ce que je suis censé faire? Là je pense qu'on peut faire un peu de pifomètre. En espérant que ça... Ah bah j'ai pas assez de coups. Alors je tiens encore deux tours pour Alcé. On peut faire un peu de pifomètre. Toi prends un petit sandwich. Ça me fait un peu chier. Ça m'arrêtera Alcé, super. Non, c'est cette attaque là là. Non ouais, je sais pas. Ça va être compliqué de les reste. Tourner entre deux couteaux en restant contre la paroi. Ok. Bon, l'astuce. À mon avis, je vais recommencer 10 fois le truc, mais au moins je vois plus clair. On va faire une autre pirouette. Est-ce que tu peux soigner un peu ou non? Non, tu peux pas. Là, je vais perdre le prochain truc. Ils ont pas beaucoup de vie. Hein, ok, en plus. Oh, ils ont tout. Ok, bon, c'est celui-là avec les. Oh non, pas le carrousel! Game over. Ah non. Parce que je suis. Ok, j'ai boosté sa prochaine attaque, c'est super. Ouais, non, ça par contre. Non. Mais le pire, c'est que je dois le fatiguer. C'est-à-dire, je sais pas, je dois lui faire combien? 10 hypnoses, 30? Il lance des attaques en criant, soyez attentif au cri qu'il fait, un cri à lancer. Finalement, ce soir, ça sera... J'affronte un clown.
Après la première attaque, si l'action pirate est effectuée, la défense de Jimmy. Ah ouais? À chaque fois je faisais hypnose, moi, comme on a pas aussi. Ah ouais, sa défense a été réduite. Mais en même temps, je veux pas le DPS, mais ça peut toujours aider. Mince. Ok, restez sur les coins, ça va, je prends moins cher sur cette attaque-là. La danse protège le groupe. Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire les pirouettes, c'est selon le tour, t'as un truc. Pas mal. Pas mal du tout. Ah non, ça va me blesser rapidement. Ah, il fait l'attaque du diable là. Allez, un petit coup d'hypnose. Oh non, ça tu m'as dit quoi? Il faut que je tourne autour de deux couteaux en restant contre la paroi. Non, j'arrive pas. Merde, j'ai pas assez pour me soigner. Ben, un Dark Burger. Bon. La bonne nouvelle. Attends. Je suis pas obligé d'avoir une menthe pour ressusciter quelqu'un? Mais. Le jeu du carrousel, c'est... Wow. Non, le truc du... Alors... Ça, par contre, je... Ça... Et ça, j'ai pas assez... Je... Ça, il faut... Je me balle dans... pour le réussir. Et puis, Chris, de la Spooky Sword qu'on peut trouver dans la boutique de Steam et de la hache que l'on peut acheter dans la boutique de Roxys, tout comme... Pourquoi ? Si tu lisais le tuto des puzzles, tu l'aurais su. What? Quel tuto des puzzles? Alors, je crois que j'ai les menottes. J'ai la Spooky Sword et... Il n'y a pas les menottes. Par contre, je viens de me rendre compte que je peux utiliser. Par contre, le ruban et le bracelet et les menottes donnent de bonnes def. En théorie, je pense que je les ai mis. Par contre, je peux soigner un ennemi qui a. Enfin, un allié qui est KO. Ça, je savais pas. Non, je vais claquer mon inventaire, mais maintenant au moins je le sais quoi. Non, j'aurais dû danser. Je peux pas de toute façon au premier tour. Par contre, je danserai après. J'essaie de full def Ralsei, de mettre les menottes à Suzy si tu tapes. Non, non, je vais pas taper, justement, j'essaie de le vaincre sans le tuer. Est-ce que le taper, ça le fatigue, peut-être? Ok, je vais mettre les menottes à Chris si je acte, et full def Ralsei, méchant clown. Et
puzzle game te l'ont dit, à moins que t'escapes ce moment. Je sais pas, peut-être. Ils m'ont dit quoi exactement? Oh non, il y avait un tuto. Ah, c'est ce tuto de là dont tu me parles. Alors ça, on va voir. Ça a baissé sa défense. Ce clown a un humour particulier. Je suis pressé de le vaincre pour voir si on peut parler avec. Chris, il va clamser, je pense. Ouais, et quand j'ai ça, ça me blesse au deuxième tour. Voilà, Chris est down. Je me fais arracher. Par contre, je peux peut-être le reste. Pour l'emploi, ils t'ont harcelé. Genre, ils t'ont envoyé plein de mails. Attends, pas deux fois le même truc. Je peux pas faire l'hypnose. Trois mails, ils t'ont appelé. Ah ouais, bah, c'est dur ça. Mais il kiffe l'attaque. Attaque de la faux, bon, je vais pas parler trop vite, mais j'ai un peu progressé, c'est pas mal. On peut pas faire l'hypnose, j'ai pas assez. Ça, par contre, faut que je trouve une strat aussi. Une petite hypnose. Oh non, pas le carrousel. Un conseil pour le carrousel ou non? À part pleurer. Oh non, pas ça! À chaque fois que j'ai l'impression que je suis coincé à chaque fois sur cette attaque. Je vais me dire arrête de jouer, frère. En fait, je sais pas. Je pense que j'esquive mal, mais je pense aussi que j'ai peut-être des stats de merde ou je sais pas. Mais là, il est beaucoup plus fort que le boss, quoi. Côté, c'est que tour 2, je lui fais la danse, tour 3, non. Oh bah non, ah bah si. Petite pirouette, cacahuète. Ah non, ça je me le prends à chaque fois. Pas de pirouette cette fois-ci. Ok, ça c'est les cœurs. Non. On n'a pas assez malheureusement. Je vais tester une pirouette là. Ça t'as pas assez pour soigner. Peut-être prendre un burger. Le carrousel, c'est la phase 2 du combat à première vue. Ok, c'est un bon signe alors. Et la phase où il me balance des trucs que j'arrive à chaque fois je meurs dessus, c'est quoi? Oh
Ouais, là ils veulent réduire le taux du... C'est dans la phase 2. Là il va me faire l'attaque de fou. Non, le chaos. Merde. Alors le carousel, je... C'est pas ça du tout. Toi, tu peux régénérer un peu notre pote. Non, t'as pas assez. Genre, il me manque 1%. Tu as 5 phases. Quoi? Il y a 5 phases? C'est-à-dire, je tiens jusqu'à la phase 3. Et c'est ça qui me tue à chaque fois. Ça, c'est la phase 3. C'est la phase quoi, ça? Dieu, j'ai quoi? Ah mais il faut que je me soigne en fait au lieu de faire des hypnoses. Earth Diamond, je peux faire tout ce que je veux. Ah ça, c'est nouveau ça. Alors j'aime bien, je sens que t'es perdu. Keep spinning the world around, c'est quoi ça? Ok. Merde, Ralsei. Lui de la phase 3, c'est un autre chaos save. Bon, pifomètre. Mais le mieux c'est de claquer les Dark Burgers et de survivre le plus longtemps possible. Avec des chevaux et des canards. Que Dieu me protège. Ah tiens, ça m'a soigné, super. Non, ça faut l'arrêter, ça. Ok, t'es fort, frérot, mais t'es pas obligé de le faire tout le temps. Ouais, bah là, on va lâcher une pirouette, hein, parce que je suis perdu. J'aime pas assez. Je sais pas si je peux utiliser Spin Cake parce que j'ai du mal à savoir ce qui fait partie du jeu et ce qui n'en fait pas partie en vrai. Non. Ok, Gnosis, je peux pas, j'ai pas tout le monde. Par contre, toi tu peux soigner. La meilleure solution, c'est de soigner Chris. Ok, pas mal. Soigne-toi. Toi, tu peux ressusciter Suzy. Non, il attaque tout le monde lui aussi. Ah, je suis même pas à la phase 3. Ok, bah je suis mort alors. Double down là. Ça va être le chaos. Starian en fait il... Ah tiens, j'avais deux revues Minds. Ok. Star... Asta en fait, t'as voulu me mettre dans la merde. A vous fait. Ça là c'est le chaos. Je sais pas comment faire ça honnêtement. Je paye 3500. Bah ça je peux pas te dire parce qu'il faut que je le fatigue. Putain. Ah c'est pas facile d'être un pacifiste dans le jeu. Bon, déjà, j'ai tenu bien plus longtemps. Le problème, c'est la fatigue, je sais pas du tout où j'en étais, j'aurais peut-être dû essayer de le pacifier. Je vais lui mettre un coup juste pour voir, tiens. Ok, miss, super. Dis-toi, alors rien que les attaques de la phase 1, déjà je galère. Non, oh, j'ai déjà perdu Ralsei en phase 1. Ça va plus vite. Ça va plus vite de manière pacifiste. Alors là, respect. Hein. Parce que je suis déjà perdu, moi.
faut hypnose 6 fois minimum, ou pirouette 4 fois. Mais pirouette, je l'avais fait plus de 4 fois à un moment. Mais je vais essayer de pacifier alors. Hypnose, par contre, j'ai jamais fait 6 fois. Ouais, plus reconnaissant, je te le fais pas dire. Ah, c'est peut-être moi, c'est pipi. Ok, le carrousel, c'est-à-dire que je suis en phase 2. Le carrousel, il y a une astuce ou... c'est... Non. Non, il faut que je me soigne au lieu de faire l'hypnose. Mais arrête cette attaque, bordel! Je suis censé faire quoi? C'est game over, game over, game over! Ah, je suis. Petite hypnose, on sait jamais. Ok, ça, je suis mort. Non, peut-être pas. Merde. Merde. Mais ça va. Suji, tu te soignes. Et toi, tu heal. S'il te plaît, arrête de m'attaquer tout le monde. Quel bourbier ce jeu quand même. Il faut que j'essaie un pacifier un moment. Merde, j'aurais pas dû faire surprise, je pense. Oh non, l'attaque du sida. Mais cette attaque-là, il n'y a vraiment aucune astuce. Genre le jeu il dit pas, je sais pas. Alors là, à ce prix-là, autant faire du pifomètre. Hein. Super. Je suis mort. Je vais aller à la foire du trône, je vous jure, je vais balancer des tomates sur les mecs. Et pirouette 4. En gros, je peux me tirer une balle. L'attaque là, tant que je peux pas l'éviter, la dernière là, je sais pas ce que je peux faire. Déjà, même si je pouvais, je serais quand même dans la merde. Mais regardez, la première déjà, je perds mes moyens. Pirouette, la première elle est toujours bien. Oh non, lui, faut vraiment pas vouloir le tuer. Hein. Faut vraiment se dire. Je pense qu'il a été mis pour voir s'il est vraiment un pacifiste.
Regarde, je vais même pas lui faire une hypnose. La pirouette, ça le fatigue un peu. Je suis obligé de passer mon tour pour avoir la hypnose. On va perdre Suzy. Oh non, Suzy, je suis désolé. Comme j'ai pas Suzy, je peux pas faire l'hypnose. Oh, carrément, il y a par tour. Ok, je vais essayer ça après parce que j'ai pas le compte. Mais je vais noter. Merci beaucoup. Parce que là, je suis toujours en phase 1. Voilà, j'ai reperdu Suzy. Je vais réessayer au prochain truc, je vais sûrement avoir un game over. Ah bah au moins je saurais qu'on pirouette ou qu'on ne pas pirouette, ça a bien m'aider. Là j'ai réussi à faire moins bien que tout à l'heure quand même. Oh, super. D'accord. Non mais ça par exemple voilà c'est comme ça. Ah, si je bouge pas. Ouais non c'est trop bon. Alors le carrousel, c'est le... Ouais c'est mort. Le carrousel, je sais pas. Le game over, vas-y. Alors celui-là, vas-y, c'est quoi, je bouge même plus. Ok Sora, je vais essayer ta méthode. Viens, allez-toi. Non, j'ai pas abandonné Sarah. Mais j'étais genre, pff, allez. Sarah, en gros, il y a une sorte de sida enfermé sous le château pendant le chapitre 1. Il était enfermé par les anciens rois et je commence à comprendre pourquoi. Ok, là on est autour d'eux. Ça baisse son sa défense. Au prochain tour, il faut pas faire de pirouette. Ralsei va clams. Donc là, je peux pas faire de pirouette. Qu'est-ce que je peux faire? Ça va être un bon moment, mais là on va relever Ralsei. Ça par exemple, réponse. J'aurais jamais cru le dire, mais l'amour tue. Là on est au tour 4. Ok, là il faut que je le fasse parce que ça augmente ma défense. C'est dommage, j'aurais bien aimé faire l'hypnose, mais bon. Voilà, ça a bien aidé.
Là, on est au tour 5, ça fera rien. Dites-vous, j'ai pas pu faire d'hypnose. Là, on est au tour 6. Au tour 6, ça va heal quelqu'un, si je me trompe. Ok, ça heal Chris, mais pas Suzy. Comme par hasard, c'est Suzy qui t'attaque, ce qui fait qu'elle va clamser, et je pourrais me rendre. Tour 7, ça échange les barres de vie entre tout le monde. De dégâts, donc on va faire de l'hypnose maintenant, même si on est un peu low life, ce qui est un peu une mauvaise idée peut-être, mais bon. Ça baissera son attaque. Oh non, pas le carrousel du diable. Et tour 9, ça heal tout le monde 30 PV, ça, ça va m'aider. Ah, j'ai pas assez. Puni. Ah non, ce jeu c'est vraiment le guidin. J'ai pas assez. Si c'est le sandwich maintenant. Oh non. Mais ça. Ça, vous avez pas une astuce comme ça? Et là. On repart au premier truc. Donc c'est-à-dire tour 1, ça fait rien. Ok, ce tour-ci, ça va rien faire. Bah, c'est Ralsei qui a pas beaucoup de vie et pas beaucoup de défense. Voilà. Ça va agresser le fils. Maintenant, ça va baisser sa défense. Quel bourbier! Ça va me prendre 2 heures pour le vaincre lui. Même baisser sa défense, ça me sert à quoi? Là. S'il faut pas faire le. C'est le tour 3, donc il faut pas que je fasse. Faut pas. Ce que je veux dire. Là on est au tour 4, ça va augmenter notre défense. Là, je vous jure, ce jeu il faut boire du crack hein, pour le faire. Ça, mais après je sais pas si ça augmente ma défense à vie. Ça par contre c'est trop compliqué pour moi. Là ça va rien faire, mais je peux pas faire d'hypnose. Voir du crack. Ah ouais non clairement ça c'est... J'ai pas d'autre mot. Surtout cette attaque, elle est abominable. Genre, je sais vraiment pas comment l'esquiver et tout. Ça y est, je vais... Game over. Ah! On va faire une infusion. Non, fusionner avec le crack. Tu sais, à la Dragon Ball, quoi. Ok, je hais les clones.
Sora, t'as pas une solution pour éviter l'attaque du diable, là? L'attaque des tréflaques à trois feuilles. Punaise. Le pire, c'est que je peux pas avoir de meilleur stuff. Ok, je repars pour un tour. Oh super, ouais, j'arrive plus, ça y est. On est au tour 2. Je bouge même plus carrément, je suis deg-deg. Au tour 3, ça vaut pas le coup. J'ai perdu tout le monde, c'est super. En fait, je sais pas comment faire pour faire les hypnoses. Faudrait que je regarde si l'attaque augmente mes TP au pire. Peut-être que je devrais le taper pour augmenter mes TP. Et faire des hypnoses plus souvent, je ne sais pas. Tour 5, ça sert à rien. Ouais, non, je vais passer mon temps à relever Milus. Tour 6. Ouais, non, ça a ressuscité quelqu'un, peut-être. Ouais, c'est fort. La style 6. Le 7, ça échange les barres de vie. Ah non, le 6 aurait soigné quelqu'un. Quel gâchis. Et là on est au 7, donc ça va échanger les barres de vie avec celui-ci, ça sert à rien. De le blesser pour moi, tu vois. Ça ressuscite un peu les gens. 156, mais ça augmente pas mes TP quand je perds. Voilà, Chris est down. Suzy, Ralsei vont rejoindre. Je vais m'entraîner. C'est des techniques, je sais pas. Dans le sens inverse, tu. Ça aura pas été chapitre 2. En plus, je vais sauvegarder mon malheur. Déjà, je prends trop cher. Première pirouette, oui.
pas mal. Cette tour-ci, il faut pas que je le fasse. Tout le monde va se défendre. Voilà, on va bien monter les TP. Avec, par contre, j'ai jamais trop su. Tour 4. Ça augmente ma défense. Mais en même temps, là, je peux faire une mini-hypnose. Lui faire manger son chapeau seulement, t'es gentil. Ça va augmenter ma défense. Tour 5, ça fait rien. Tour 5, on va essayer une hypnose si tout se passe bien. Ok, là on va faire une hypnose. Parce que ça fait rien. Là c'est le tour 5. Tour 6, ça soignera quelqu'un. Ah non, le carrousel, mon cerveau n'est pas assez évolué. Donc là, si je fais ça, ça va soigner une personne, pif. Toi, tu fais ça. Toi, t'as pas assez pour soigner, fais chier. En défense, au pire. Super. Ok, ça, c'est l'attaque du diable. Celle... Je sais. Franchement, cette attaque là, c'est celle-là qui me fout dans la merde. Faut aller dans le sens inverse du carrousel. Oh, adieu, Ralsei. Il va prendre 3 streams, non, il va prendre un suicide, oui. Ça soigne quelqu'un, le tour 7 j'ai pas pu, donc là je suis au tour 8, donc il faut pas que je fasse pirouette. Par contre, je peux faire une pause. Pas mal du tout. Là, si je le fais, ça va heal 30 points de vie à tout le monde. Et toi, t'as pas assez, dommage. T'es en défense. 44, ok, super. Oh, et oh, d'où il sort ce carrousel là? Qu'est-ce que... Appelez la police. Ok, là, ça a fait ça. Donc là, ce tour-ci, ça va rien faire. Donc ce tour-ci, je vais faire une pirouette. Une hypnose. Wow! Voilà, quelqu'un est down. T'as pas le droit de me faire ça, l'ami. Tu m'inventes des nouveaux trucs, là. Donc là... Les canards! Les canards, c'est-à-dire que je suis phase 32, ou... Là, je peux faire une pirouette, ça augmente ma défense. Toi, il faut que tu ressuscites le petit junkie là. Allez! Non, s'il te plaît, meurs pas, Ralsei, tu me. Donc ce tour-ci, ça a augmenté ma défense. Donc ce tour-ci, il faut pas que je fasse la pirouette. Non, j'ai augmenté ma défense, donc ce tour-ci, ça fait rien. Ok. Là, faut soigner tout le monde. Spin cake, je peux l'utiliser à ça ou c'est un objet clé? Non, genre c'était pas assez... Enfoiré. Donc là... Là ça va heal quelqu'un. Mais malheureusement je crois que j'en ai pas assez. Ah si, ça va heal quelqu'un. Mon dernier Dark Burger. Vas-y, heal Ralsei, comme ça le ressuscite au moins. Ah non, ça a défendu la partie. Ça a dit que ça allait heal. Ah non, donc ça veut dire que je suis au tour 4.
Attends, pour... D'accord. Donc au prochain tour... Rien. C'est comme ça que le racisme il augmente les amis. Oui tu peux et t'en fileras d'autres. Ok merci. On se met bien. Ok. Non. Non. Ok je crois. Il me balance tout ce qu'il a. Et voilà, Ralse est encore down. Hein, pour changer. Donc là ça va heal quelqu'un. Je sais pas si tu te soignes ou tu le ressuscites. Le cooker, le... Ouais mais je sais pas ce que je disais. Non, refumite, ouais, oui, oui. Puis pourquoi t'es toujours sur Alcé, bordel de merde? Je suis perdu. Non, là il faut pas que je le fasse. Là je vais faire une hypnose. Eh, hey, regardez, il est fatigué là. Comment ça va être genre... je crois que je vais faire un petit sommeil. J'essaie... Attends, c'est son final... Ouah ! À l'aide ! Ah ! Play and deck. Wow, wow. Je suis censé... Quoi? Ok. Qu'est-ce que m'avait dit Sora? Je suis en train de remonter le... Ok, je sais pas. Je sais pas si je dois essayer de le pacifier ou non, et en plus là j'avoue j'ai perdu le compte avec son attaque. Il a heal je crois. Donc là ça va échanger les barres de vie, quoique j'ai fait hypnose. Donc peut-être qu'il va faire plus de dommages. Ok, je sais vraiment pas quoi faire. Je peux pas le pacifier moi-même. Est-ce que je peux le check? Peut-être me dire de la merde. Soigne-toi, il a un calque. Et essaie de pacifier. Non, son pseudo il est pas en jaune. Et c'est quand le pseudo est... que ça permet de pacifier, je crois. C'est compliqué. Ouais, c'était peut-être. Ouais, non, je vais pas survivre. Général, c'est qui est mort, donc je peux plus pacifier. Alors là, franchement, reste pas à ceux qui arrivent à éviter tout ce bordel. On va. Monde, je pense que je me vois. Parce que j'ai perdu le compte. Et là, de toute façon, je suis mort. Ok, 47, c'est super. Je pense qu'il... J'ai pas compté les hypnoses, malheureusement. Ok, tout le monde est encore down. Donc là, le tour 1, ça va rien faire. J'ai plus d'objets pour heal. J'ai le cookie. Ah si, j'ai ça. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais c'est lui qui peut pacifier. Il faut survivre. Oh,
toute façon, ouais, non, je suis mort. Là, ça peut baisser sa défense, moi, sans qu'il attaque pas. On va essayer, hein, parce que de toute façon, je suis mort. Non, il était pas fatigué. Ok, c'est-à-dire qu'il faudra qu'on fasse tout ça et je remets pas. Quel boss d'exception. C'est bien, au moins j'ai progressé. Mais le sida là. Mais par contre, je me demande, il me manquait comme Edipsnos. Parce qu'en gros, je vais... Ça c'est... C'est trop aléatoire. Je pense que... Sandwich 30, je sais pas. Lanceur de... Le cookie de lanceur, je peux ou non? En gros, c'est ces deux objets, je crois qu'il faut pas que j'utilise. Ah bah, tu sens que j'ai pas joué Undertale, hein. Parce que punaise, ces esquives de ouf qu'il faut mettre à la fin. À la fin, ils vont me dire genre non, Splash, ils vont me dire vous avez réussi, c'est cool. Non, je rigole, j'espère qu'on en apprendra plus, surtout si je fais en pacifiste, c'est-à-dire qu'il va survivre, donc je sais pas, tu vois. Parce que genre, ça a toujours été le diable, ou... Parce qu'un jour, il a pété les plans, ou... Juste le cake et les revive mine, tu le gardes, tout le reste ce qui vire. Ok, déjà on va faire ça, c'est un bon début. Donc le sandwich, le cake, donc le lancer de cookies, je peux l'enlever. Revive mine, tu le gardes. Et je vais aller acheter des. Toi t'es trop aléatoire. Sandwich, revive mine et spin cake. Dark Burger, et on va se faire que du Dark Burger. Ça me fait combien de place? Ça le dit pas. Oh tant pis. On va repartir voir le chat acheter des Dark Burger. Mais quel bourbier quand même. Mais là, quand il était en train de sauter de partout, je pense que j'étais pas loin de la fin en vrai. Le gauchard tire à rien. Ah, il servira. Shit. Il sert à quoi le Glochard? J'aurais dû l'utiliser en vrai. J'ai regretté mon choix. Non, non, je veux pas de place inutile, justement, mais on sait jamais. Je vais essayer une fois sans sauvegarder. Ça au pire, j'aurai toujours le clochard.
Et comme par hasard, parce que je vais vouloir garder le clochard, je sens que je vais réussir à gagner. Oh, moralité de l'histoire, les enfants, vous trouvez un clown, vous trouvez quelqu'un enfermé, vous l'aidez pas. Par contre, il faut que j'arrive à compter les hypnoses aussi, parce que les pirouettes, j'en ferai un paquet. Ouais, je dois tout refaire, trop tard. La première fois, ça baisse sa défense. Je sais pas si baisser sa défense m'aide en soi, vu que je ne l'attaque pas. Donc peut-être faire une hypnose. Je vais essayer une nouvelle strat, parce qu'en soi je baisse sa défense, mais ça m'aide pas quoi. Une hypnose. Une. Là, il faut ce tour-ci, il faut pas le faire ce tour-ci. On augmente bien les TP. Ce tour-ci, ça augmente ma défense, mais je sais pas si ça augmente que pendant un tour ou à vie. Prends ces zones qui étaient enfermées, tu... Mais ce qui m'épate, c'est qu'ils ont réussi à l'enfermer. Comment le roi, il a pu faire un coup d'état, quoi, un mec aussi puissant, ils ont réussi à l'enfermer. Donc là, il faut que je fasse une pirouette pour ma défense. On va rester en défense, quoi. On augmente bien les TP. Cette fois-ci, il faudra... ça fera rien. Donc, je vais faire une hypnose. Ça fait une deuxième hypnose. Ouais, Sora a le droit de créer sur les... Oh mince, carousel. Le problème quand je fais l'hypnose, voilà, c'est que j'ai plus de défense. Donc, si je sais compter, je dois être au tour 6. Donc là, il faut que je fasse une pirouette pour que ça heal quelqu'un, et toi, il faut que tu balances un burger sur le petit qui arrête pas de tomber. C'est le tour 6, ok. Ah ouais, c'est beaucoup plus rapide d'un coup, là. Il m'envoie direct le sida. Et je vais devoir refaire le chemin pour acheter Dark Burger. Donc, ce tour-là, ça échange les barres de vie, ce qui sert à rien. T'as vu la gueule du chat? Ah non, je me doute bien. Peut-être ça joue burger. Ce qui est un peu idiot de ma part parce que j'en claque beaucoup plus vu que j'en ai beaucoup plus. Mais on va voir. Ça économise mes TP. Là, c'est quand il me balance. Voilà, ça là. Oh non, mais Ralsei aussi, je sais pas pourquoi il tombe trop vite. Ok, bah super. Suzy balance les sandwichs. Là, je crois qu'il est le prochain tour, mais j'ai perdu le compte. Attends, pourquoi j'y arrive pas? Je crois que là ça heal tout le monde, mais je suis pas sûr. Dans le doute, on va heal. Super, j'étais dans le bon compte. Donc là, le prochain tour, ça fera rien et je suis à deux hypnoses. Le prochain tour, c'est celui-ci, ça fait rien. Je suis à deux hypnoses, on lève. Attends, c'est ce tour-ci où ça fait rien ou c'est le tour d'avant? Oh, je suis perdu. Non, ce tour-ci, ça va augmenter ma DF. Mais... non, ça va baisser sa DF.
ce qui me sert à rien. Donc là, c'est la troisième hypnose. D'accord, ouais, c'est bien la preuve que j'avance beaucoup plus vite en l'hypnotisant qu'en survivant. Là, ça, il faut pas le faire ce tour-ci aussi. Donc on va faire une quatrième hypnose. Par contre, au prochain tour, il faudra que je le fasse pour augmenter ma défense. Merde, il est encore down, le petit Wissiti. Ok. Donc là, il faut que j'augmente ma défense. Je suis à 4 hypnoses. On le ressuscite. Ouais, non, il va mourir. Autant garder Revive Mind pour plus tard. Vraiment, en dernier objet. Ah, juste ça, Sora, c'est une excellente nouvelle. Ok. Je vais... Là... Si j'ai augmenté ma défense, le tour... Non, j'ai augmenté ma défense ce tour-ci. Je crois. Donc là, ça va rien faire. Là, il faut commencer à remettre les gens à plat. Non, j'aurais dû le garder pour plus tard, fais chier. Défends-toi. J'ai besoin du max de TP. Là, il va y avoir le truc rouge. Merde. C'est trop la merde avec Ralsei. Là, ça va... Soigner quelqu'un au pif. De toute façon, je peux pas faire l'hypnose, donc autant soigner quelqu'un au pif. Regardez les Dark Warriors et tout. Putain, mais il a la haine contre Ralsei, c'est un truc de ouf. Ralsei, je crois, à l'école, genre, il lui volait son petit goûter, ou je sais pas. Donc là, ça va échanger les barres de vie, ça me sert à rien, je peux pas faire l'hypnose. Pas mal, merci Astor. J'aurais dû faire ça. Ok, là c'est quand il me balance toute la merde, je... Ah ça, il est encore à terre, c'est un truc de ouf. Là je peux toujours pas faire l'hypnose. Ce tour-ci, il va faire plus de dégâts, donc il faut pas que je le fasse. Non, il faut que vous soignez les amis, et chacun se soigne un peu. Non, j'aurais pas assez d'objets. Le problème c'est que j'aurais dû soigner Ralsei. Ce tour-ci, ça va heal à tout le monde. Toi tu soignes. Ralsei va encore clamser, je le sens. Ah oui, c'est vrai, là c'est le sida. Ça veut dire que la pirouette ça le fatigue de plus en plus, même si on me dit d'en faire 4. Ok, je m'en suis pris qu'un, c'est pas mal. Je sais pas ce qui s'est passé, est-ce que quelqu'un est mort ou non, je sais pas du tout. Non, personne n'est mort. Là, ça va rien faire, donc là, on va faire une hypnose, parce que je peux. Et je pense que là, je suis à 5 hypnoses. Il faut que j'en fasse encore une, et je le pacifie. Ok, là par contre... Bon, je me fais arracher le cul. Pardon pour la vulgarité. Et là, il aurait fallu que je fasse encore une hypnose, mais tout le monde est mort. En plus, il fait de plus en plus de dégâts. Ce tour-ci, ça va baisser sa défense, on s'en moque. Il faut que je ressuscite Ralsei. Mais est-ce que ça vaut le coup ? Je ne sais pas. Ça valait peut-être pas le coup. Ok. Là, je l'hypnose et ça fera 6. Et ensuite, il faudrait que j'arrive à le pacifier. Merde, il est down, Ralsei. Ah non, il est encore vivant. Donc là, si je sais compter,
qui n'est pas le cas, il faut que je le pacifie. Oui. Oh mon dieu. Eh, je veux des applaudissements dans le chat. Waouh, quel fun, je suis exténué. Vous, vraiment, les enfants, vous m'avez fatigué. Merci, Sora. Maintenant, je vais dormir pour au moins 100 ans. Malheureusement, vous, les enfants, vous ne pourrez pas profiter. Quoi ? Vous n'aurez pas un aussi beau rêve ? Merci beaucoup, les amis. Ah, from now, à partir de maintenant, un cauchemar va se réveiller dans vos cœurs. Hé, hey, il parle de la fin du chapitre 1. Dans l'ombre de la main du chevalier. Encore le chevalier, merci, Asta. Le chevalier... Le chevalier... Ouais. Le roi, à la fin du jeu, il parle d'un chevalier. Et à mon avis, il doit être relié. Est-ce que vous pourrez l'arrêter? Ouais. Donc, il y a un chevalier qui va nous faire chier. Il nous parle souvent du chaos. First try. Ouais, ouais. Non, je rigole. Ça doit être le 17e essai, je crois. Oh, la lumière à l'intérieur de votre petite cellule. C'est assez intéressant, parce qu'à la fin du jeu, Chris, il balance son cœur dans une cellule. What? J'ai gagné un cristal des ténèbres. J'ai vu le stain. Ok, une armure et un cristal des ténèbres. Qu'est-ce que j'ai gagné là ? Ah, c'est un objet clé en plus. J'en ai collecté un, donc c'est-à-dire il y en aura peut-être, il y en a un par chapitre. Intéressant. Est-ce que ça serait pas le chevalier qui lui aurait donné un cristal des ténèbres et c'est ce qui aurait rendu ce clown aussi bizarre? Je sais pas, hein, je vous dis n'importe quoi. Ah ouais, ça augmente bien ma défense. Non, et ma magie surtout. Je crois que je vais le donner au magicien du groupe. Waouh, il passe à 11 de magie quand même. Bah écoutez, je pense que je repars terminer le jeu. Je repars vite fait acheter des Dark Burgers. Et on va aller se battre contre le boss final. Le boss final contre qui je vais devoir encaisser 32 tours. Ça s'intéresse. Pacifique ou génocidaire. Genre, si tu passes à côté de lui au chapitre 1, est-ce que tu peux le voir au chapitre 2, ce clown? Je sais pas du tout, tu vois. Et le problème, c'est que ça me fait vraiment chier parce que j'ai balancé le Glowshard et j'ai un Shadow Crystal et je sais pas, peut-être si tu mélanges les deux, il se passe un truc. Non, c'est pas par là la sortie, c'est vrai, je dois aller acheter des trucs. Des Dark Burgers. Mais comme il n'y a pas Uber Eats dans le jeu. Franchement, je vous cache pas que je m'attendais pas à battre le clown ce soir. J'étais en mode... Non mais c'est mort, là. Là, je sais pas ce qui s'est passé. Bah déjà, c'est ceci, parce que j'ai eu plein de Dark Burger, c'est sûr, mais... Comment ça ? Je vais manger que du Dark Burger. Rien à foutre des calories. Donc le clown, il est reparti dormir 100 ans. C'est-à-dire, il dort tous les 100 ans, il apparaît, il fait chier. Mon cerveau, il est en train de tourner, là. Est-ce qu'on aurait un boss secret dans chaque chapitre? En plus, sans save à côté, t'as vu ça? J'avais même pas save. En plus, je l'avais dit, hein. Comme par hasard, c'est la sauvegarde où j'ai déposé le Glowshard. J'avais dit, vous allez voir, comme par hasard, je vais vouloir garder le Glow. Et ben, je vais réussir et je vais pas pouvoir le garder. Par contre, je vous dis pas comment je vais m'arracher les cheveux si je vais devoir refaire ce boss.
Bon, je vais enchaîner la discussion parce qu'on la connaît déjà. Il me semble que je dois juste le fatiguer. On va voir comment je vais galérer sur le combat maintenant que j'ai fait le clone. C'est vrai? Depuis tout à l'heure, je suis en train d'appuyer sur entrée. Merci beaucoup. Oh, ça va beaucoup. Merci. Oh mon dieu. L'existence a été modifiée. Franchement, regardez-moi ça, elle est pas belle la vie là! Non mais regardez, je vais même dans les flèches quoi. La fille, elle est pas belle, franchement. Non, entre nous. Regardez-moi ça, là, ces petites attaques, là, franchement. Le clown, je crois, il m'a... Je suis comme Goku quand je reviens Super Saiyan de Namek, quoi. Je sais pas comment expliquer. Genre, je suis... Ok. Ah ouais, non, c'est de la gnognotte. Mais c'est pour dire à quel point l'autre, il est complètement cheaté, quoi. Sa puissance était vraiment dessus. Le clown là, c'est un autre monde. Ah oh, ça en plus maintenant. Ah ouais non, j'aurais dû faire le talk pour le double heal là. Vas-y, vas-y, blesse-moi, franchement, je... J'ai une question bête, si j'appuie sur Shift avec le cœur, est-ce qu'il se dépasse plus vite? Oh mon dieu, attends, il faudra que j'essaie, tu vois. Non, il n'y a pas de sprint pour le cœur. C'est un boss secret après tout. Ah oh mais là, je suis d'accord, hein, mais c'est... On peut pas nier qu'il est... Je sais pas, il est beaucoup plus puissant, quoi. Je trouve hein, le boost secret, genre attends, c'est. Tu sais, c'est pas il est deux fois plus fort, c'est genre il est 10 fois plus fort. J'ai l'impression que même le clown, on va dire si on le divise en 6 formes, le clown première forme, déjà il est dans un autre monde, le gars. Il ralentit au contraire. Qui veut le. Quoi? Qui ralentit? J'ai trop de TP carrément. Je peux me permettre de me blesser et tout. J'ai oublié de parler avec lui-même. Je
Voilà, regardez. Par la volonté du chevalier, je vais exploser votre cœur en morceaux. Vos cœurs, plutôt. Je sais pas c'est qui ce chevalier, mais encore une fois, le clown, il a fait référence à ce chevalier. Faire X shift. Oh, d'accord. Merci, j'ai fait shift, c'est pour ça que je me disais bien. Je sais pas c'est qui le chevalier. En plus, dans un jeu de cartes, y a pas de chevalier. Courage, ça fait quand même un boost de défense, let's go. Je pouvais pas avoir tous ces skills là en plus, là. Regarde-moi ça, ça me fait du 6. J'ai même pas besoin d'éviter. Elle est pas belle la vie. Cavalier qui se rajoute après le valet. C'est genre le cavalier, c'est là, il remplace la reine ou je me trompe? Parce que faut voir, parce que c'est beaucoup axé sur les jeux de cartes. Bon, en gros, faut que je survive, je sais pas combien de tours. Regardez, je vais même pas bouger cette fois-ci. Ça me tue même pas un personnage. On est où là? Valet, cavalier, dame, roi. Ah, c'est une carte en plus. D'accord, t'en as 4 en fait. D'accord, je viens de comprendre. Merci. Voilà, mon chevalier, je ne vais pas vous... Je ne vais pas échouer pour vous, quoi. Ok, monsieur est fatigué. Est-ce que je fais ZC encore? Ah, quand même, là, franchement, moi, je m'y attendais pas. Hein. Ah, ZC, c'est pas mal. Ouais, non, c'est sûr Asta, mais au final, je sais pas si c'est le roi qui est trop facile, façon de parler, ou si c'est le clown qui est trop dur. Ou peut-être que maintenant j'ai l'impression que le roi est facile puisque j'ai survécu contre le clown. Cavalier, c'est dans les échecs. Plot twist. Le cavalier se déplace sur 4 cases, Deltarune, il y aura 4 chapitres. Tintin. Carte chevalier, mais il avait dit dans un mode de jeu, ils ont une carte chevalier en plus, justement avec le roi, la reine et le valet. Voilà, on va revenir dire au revoir à tout le monde. Thank you.
Et donc pour la morale, c'est les trois anciens rois là à gauche, ils ont réussi à enfermer le clown en tôle quand même. Chapeau l'artiste, hein. À moins que ce soit Rhys le chevalier. Ah mais non, Rhys ici. Ah, je sais pas. Puis il nous aurait reconnu si ce serait nous le chevalier. Oh non, je vais devoir tout refaire dans la ville, genre. Amener les fleurs à Toriel et tout. Aller parler à San. Tu m'as dit c'est comme Orelsan, ok. Et là il va montrer ce qu'il a la même tête. Enfin Asriel il a la même tête j'imagine, non? Plot twist! Splash! Ça se trouve, Asriel, c'est lui le chevalier. Et justement, le clown, il l'a pas reconnu parce qu'il portait sa tête noire là. Et maintenant qu'il s'est débarrassé de nous, il va prendre la place. C'est-à-dire, c'est peut-être le cœur de Chris, il a été corrompu par la fontaine, là? Non, je sais pas du tout. Là, je suis perdu. Plot twist, on joue le méchant, mais on ne le sait pas. Et vous regardez, ça, c'est le monde de... C'est le monde auquel on a joué. Roula, c'était la forêt. Le chevalier, on l'a déjà croisé. À mon avis, ouais, je suis sûr, il y aura une douille. Ça, c'est le chat, le vieux chat qui vend des trucs. Là, c'était la forêt. Là, c'était le damier, rappelez-vous, là où j'essayais d'éviter les pions. Ça, à mon avis, ça doit être le château. Intéressant. Mais par contre, si je parle pas à Noël et tout, je me demande si ça va enlever des trucs dans le chapitre 2 ou non. Est-ce que je peux directement rentrer chez moi? Bon, ça, là, vous avez tous vu ce que j'ai fait l'autre fois. Je vais juste aller voir un truc, c'est l'hôpital seulement. C'est la seule chose qui me semble avoir eu un changement majeur. L'hôpital et San. L'hôpital, si tu vas voir, Noël elle part, et si tu pars, Noël tu la retrouves plus tard sur un grillage. Alors je sais pas si c'est un impact, mais... des trucs, mais si tu veux pas tout faire, fais pas tout. Ouais, mais ça me ferait de la peine parce que je l'avais fait l'autre fois et je me dirais ouais, je l'aurais pas et tout. Après, vu qu'il y a plein de safe. Maintenant, il faut juste trouver le truc d'Asgore. Ma mère? Quoi? Cette phrase est très bizarre. Il a fait quoi avec la mère à Chris là?
J'aurais pu lui dire non. Il se passe quoi, genre? C'est dans la fin génocidaire, ça. Chris, il commence à génocider des gens dans un autre monde, il les génocide dans le jeu. Enfin, dans le vrai. Ouais, c'est elle, là, je la vois, elle est en train de boire du lait, ou je sais pas. C'est Alfie, là, c'est quel animal, ça? J'arrive pas à déterminer. Un hérisson, un porc-épic, un lézard? Undertale, il est pote de Black Victoria, là, ok. Par contre, on sait pas du tout pourquoi les parents de Chris ils sont séparés, non? Un lézard, merci beaucoup. Thème. Tiens, cellulaire. D'ailleurs, c'est une lézard. D'accord, merci. Mode de terre à droite. Mode de terre à droite. Attends, j'étais sur quel écran? À l'arrière du truc? Non. Je crois que je l'ai pas fait, hein, la mode de terre. Je veux dire même la partie d'avant. Où c'est qu'il y avait une mode de terre à droite? Ah, tout... ah oui! En dehors de la ville! Ah non. Jamais ils ont une ville, t'arrives comme ça. Eh, salut Lyre. Qu'est-ce que j'ai foutu? Qu'est-ce que c'est que ça? Lyre, t'apparaît, il y a cette créature qui apparaît. Eh, salut. Ah, ça, waouh. C'est moi. Bien sûr que... J'ai vraiment pas... Je n'ai aucun ami. C'est ok, hein. Ça va et toi, Lyre? Parce que vous êtes là, les gars. Est-ce que tu veux être mon ami? Ah, si oui, je sais pas qu'est-ce que t'es, mais ok. Ah, oh, je suis si heureux. Je suis si heureux, je sais pas ce que je dois faire. Je ne me rappelle pas être aussi heureux. Ah, tiens, salut Slade. Ah, grave, vous avez tous les deux pop en même temps. C'est quoi ton nom, Chris? Hippopotamus? Hippopotamus. Ouh, je suis tenté de m'appeler Hippopotamus, mais je suis pas un connard, Chris. Chris, ah, c'est toi. C'est vraiment un... Non. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de me présenter. Que personne me parle, j'ai oublié mon propre nom. Chris, tu peux me donner un nom? Alors, Asriel 2, Disgusting, c'est méchant. Oignon, c'est vrai que tu ressembles à un oignon. Il m'en manque... Non, il m'en manque 5, de Slade. Botti, ce serait gentil. Mais vas-y, tu ressembles à un oignon, je pense que je t'appelle oignon, c'est pas méchant. Je mettrai le replay au pire. Ah, je vous jure, j'étais contre un clown, j'en ai chié. Le boss final du premier chapitre n'a rien à voir en termes de difficulté. Genre, on va dire le boss final du chapitre 1, sur une échelle de 1 à 10, il a 1. Le clown, sur une échelle de 1 à 10, il a 532, quoi. Oignon. Ouais, shape, ouais, non, oui. Oh, il a oublié. Omium. Omium, ok. On dirait oignon dans une autre langue. C'est un clown. Ah ouais, non, mais c'était un clown. Mais un clown qui avait le sida, je peux pas m'expliquer, mais il était abominable. Christmas. Ouais, je m'appelle Noël. Tu veux me dire un truc demain? Quelque chose que je peux seulement dire à un ami. Reviens demain, d'accord. Oh, grave flippant. Attends, ça dans le monde d'Undertale et tout, c'est normal, genre? Genre tu peux rencontrer des sortes d'oignons qui deviennent amis à côté d'un lac parce que tu... Oh, je vais rentrer chez moi. Oh là là, merci. Slade, c'est... Grand seigneur, décidément. Là, on doit parler à Noël, cette tête de taré, je te jure. Noël qui aime un peu trop Suzy. Non, faut que je dise qu'elle est sympa, Suzy.
Merci Slate. Écoute, grâce à toi, faut que j'attende ça que ça s'actualise et je pourrais mettre un nouvel. Une nouvelle émote. Alors là, je vais vous montrer un truc, c'est la fin du chapitre 1. Et je vais m'arrêter sur ce mystère qui va vous faire faire des cauchemars. Slate, franchement, merci beaucoup. Possible? De quoi il est possible à cela? Tiens, je suis pas un vampire. Merci beaucoup, Slade. Franchement, merci du fond du cœur. Slade, tu vas voir. Le cœur qu'on va voir dans la prochaine scène, c'est toi, t'as balancé ton portefeuille de la même manière dans le chat. Voilà, en gros, après cette aventure, tu vas dormir, sauf que la nuit. Slade, merci beaucoup en tout cas. Ça, c'est celui de la nuit, quand il aura tout payé. Il va penser, putain, les factures, la TVA. Merde, j'ai payé tout ça, alors que le prix du gaz a augmenté, le prix du pétrole, le prix de l'électricité. Bordel de merde. Ouais, et Michael Jackson, quand il faisait le clip de Thriller. Je sais pas le prononcer. Voilà, Slade il a fait comme ça avec son portefeuille. Alors je sais pas pourquoi on enlève son propre cœur, on le balance dans une cage. Ça je verrai ça au chapitre 2. Chapitre 2, je vous dis mercredi prochain encore malheureusement, parce que le clown là il m'a pris toute la soirée. Entre les clés et toute l'histoire. Pire que le père Fouras. Alors il peut vivre sans cœur, c'est bizarre. Il y a un couteau. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Est-ce qu'il va tuer quelqu'un? Je ne sais pas du tout. Et dites-vous que j'ai fait la fin pacifiste. Alors la fin génocidaire, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Donc voilà. Le cœur, c'est l'âme. Slade, j'ai affronté le clown. J'en ai chié, mais je l'ai vu. J'ai remarqué que le clown et le roi, ils parlent tous les deux d'un chevalier, mais je ne sais pas qui est ce chevalier. Merci. Je me dis, comme Splash, c'est pas impossible qu'on ait rencontré le chevalier, c'est ça le pire. J'ai gagné un objet. Je me demande est-ce qu'il y a un beau secret. Ouais, la musique elle est trop jolie. C'est dommage que je parle en même temps. Mais lire, la musique elle est à la fin de la vidéo sur YouTube au pire. Don't forget. Merci encore, Slade. En tout cas, il y a énormément de questions qu'on se pose. Pourquoi c'est le seul être humain? Où est sa vraie famille? Pourquoi il y a une sorte de type qui ressemble à Asriel dans le monde des ténèbres? Pourquoi il balance son cœur? Pourquoi il y a un oignon qui me parle? Keep playing chapter 1? Non, on va faire continue to chapter 2 et on va s'arrêter là. Quel est le muscle? Quel muscle? What? La suite au prochain épisode. Eh bien, mes chers amis, c'était une bonne nuit, une bonne soirée. Je suis désolé. Hein. Je mettrai le replay du clown de façon sur YouTube. Je vous dis à mercredi prochain pour le chapitre 2. Je pense pas que je pourrais faire le chapitre 2 en une soirée, bien sûr. Demain, ça va être du Hearthstone. Mais j'ai une belle discussion avec Slade, si je me trompe pas. Je sais pas si j'aurai le temps. Peut-être que demain, je vous ferai... Peut-être que le jeudi soir, ça va être le soir du Survival Horror. Bisous, Ilir, à la prochaine. Eh, hey, Ilir, il faudra que je te parle à l'avenir. Je compte interviewer plusieurs guildmasters différents. Mais t'inquiète, c'est pour un truc... dans plusieurs mois. Mais... Je vais vous dire quoi. Je pense que peut-être le jeudi, ça va être le jeudi de l'horreur. Je vais voir. Demain, j'aurai peut-être pas le temps. Merci Asta. Asta, j'imagine à mercredi prochain ou autre. Demain, si j'ai le courage, je commence une écriture d'article. Ça marche. Ah bah oui, tu me diras. Vas-y, lire, ça marche, c'est super. Oh. Ok. Bah, je vous dis bonne nuit à tous. Et demain, peut-être Hearthstone ou peut-être un Resident Evil. Si je commence ce jeudi, bah en gros chaque jeudi maintenant je pense que ça va être le soirée, genre je vais faire des Resident Evil ou des choses comme ça.
Je me trouve le sujet, c'est parti. Tu veux pas faire les sujets dont t'as parlé sur Facebook? Genre tu fais partie 1, ça fait un article et tout. Ça va faire des articles invités. Asta, tu veux pas nous faire un article top 10 des raisons pour lesquelles Deltarune et Undertale ne sont pas liés? Ça, vous notez le capitaliste que je suis, le mec qui surfe sur les thèmes. Comme ça, il y a des gens qui écrivent des articles. Non, mais en vrai, ça me fait plaisir qu'il y ait quelques articles invités sur les 700 plus articles que j'ai écrits. C'est bien d'avoir des points de vue différents et des styles différents, tu vois. C'est vraiment communauté et tout. T'inquiète, je vais trouver mon sujet. Ça marche, l'ami, t'inquiète pas. Prends ton temps. Surtout, te mets pas le stress. Te mets pas le stress. Vite, tranquillement. Genre, te dis pas, je dois le donner pour Simbad à telle date. Toujours. Prends ton time. Quand tu sens que c'est bon, on voit. Je m'occupe de la mise en forme et tout. Shin Megami Tensei, bah c'est bien, j'en ai jamais parlé en plus. Et voilà. Non, Splash, pas vraiment escroc. Un peu. Si par exemple c'était la plupart de mes articles, honnêtement, oui. Mais si de temps en temps il y a un article invité, c'est bien d'avoir un point de vue, tu vois, qui change. Genre. Moi j'aurais bien aimé que, je sais pas, tu sais. J'ai fait genre les raisons pour lesquelles je pense Ultimecia et Bip dans Final Fantasy VIII. J'aurais aimé que quelqu'un m'aurait fait un article différent, genre. Il m'aurait dit, bah moi je pense que c'est un autre personnage, ou je sais pas. Je pense sur la théologie, les jeux Shin Megami Tensei. Bah déjà une fois je voulais faire toutes les... je voulais faire genre les références dans les Shin Megami, parce que en termes de théologie, il y a plein de clins d'œil quoi. Mais déjà ouais, ça a l'air d'être... Il y a de quoi creuser, hein, large, large. En plus je pourrais le relier avec mon article sur la religion dans les jeux vidéo. Mais franchement Slade, merci beaucoup hein. Tu t'en rends pas compte peut-être, je sais pas si on le ressent à ma voix, mais franchement ça fait plaisir. Parce que grâce à toi j'ai enfin atteint un nouveau socle et nouvelle émote. Ça me permet d'impressionner. Bon, sur ce, j'y vais vraiment. Bonne nuit, bah la même. Bah écoutez, je vais mettre le replay du clown. Slade, s'il te plaît, si tu peux, regarde le replay du clown sur YouTube. Parce que je me suis foiré plein de fois, mais je pense que tu peux te marrer. Bah écoutez, je vous dis à demain pour Hearthstone ou Resident Evil. Vendredi, ça sera RPG Maker. Samedi, ça sera Legend of Dragon. Dimanche, le Festival de la Saucisse. Lundi prochain, Genshin. Mardi, Hearthstone. Mercredi, Deltarune. Et ainsi de suite. Bye bye, à plus. À plus sur le bus.